Est-ce qu'on ne serait pas sur un vlog en latin vlogos donc on est avec Guillaume que vous et on est là ici. Bien sûr, on est en vlog, c'est parti. On est avec PA. Ouais, Team Rockfort. Et on est avec un nouveau sur la maison. Ah, sans le mec, c'est Louis de Funès. On est sur Eddie Murphy, Louis de Funès et les deux Malfaits, c'est fou. On vient de terminer une vidéo pour Chef Verecchia qui était la dégustation de fromage. Regardez, c'est comme si c'était en bordel, mais c'est un bordel du kiff. Pour moi, c'est pas bon. Pour moi, c'est organisé ça. Pour moi, je vais dire, pour moi, on vient de faire une partouze culinaire. Ouais. Oh là 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 là. C'est bien dit. Et puis, ça a la même odeur. Attends, mais ça, pas d'humour graveleux. Pas d'humour graveleux. Donc, on a fini. On s'était dit qu'on allait. Il nous restait un fromage à déguster. Un petit rocamadour. Un petit rocamadour. PA, je vais te laisser découper le rocamadour. Avec plaisir, chef. Là, ça part en vlogos amoureux du fromage. Ça pour 4. On voit que PA niveau budget il est plus technicien qu'influenceur. Je suis pas un PA. Il est mal payé. Et on a Lucas qui est avec nous, qui arrive. Regardez, il est en pleine arrivée. Bonjour à tous, depuis en bas je sens le fromage et évidemment j'ai envie de venir. Il fallait venir. Mais PA, Lucas, prends-toi une chaise. Et puis on va se déguster. Et puis Oriane, Oriane. Allez, Oriane, allez viens. Lucas, prends la chaise d'Oriane. Hein. Ouais, et on a une. Oh, la belle avancée d'Oriane. Oh, Oriane, est-ce que toi tu aimes beaucoup le fromage? Non, il faut savoir que je n'aime pas ça de base, mais je veux tester. Un peu curieuse. Dans ma vie, je veux tester. C'est le premier vlog post Coupe de Feu. Alors, qu'est-ce que t'en penses à J+3? Bah, franchement, J+3, j'aime bien. Et surtout, j'ai des bons retours dessus globalement. Les gens trop étaient... bien. Voilà. Et bah, je suis hyper content. Oh là là, oh là là. Alors, qui veut commencer une petite lichette là? C'est du Nutella quoi. Alors, c'est attends, du... Ah, il est, quoi, il est bien, bien crémeux là. Hein. Celui-là ouais. Oh là là là. Ah, c'est Masterclass à Guillaume. Ouais. Qui d'autre pour le rocamadour? Je pense Guillaume, il en voudra. Pendant ce temps-là, il y a Lucas qui attaque le fromage. Incroyable. Ah ça, Guillaume, ouais, là, là, là ça part en agressif. Moi Guillaume, je veux bien que tu me coupes une petite part de mendiant. Avec plaisir. Parce que là on a un petit pain mendiant. On a une petite coupe mendiant. On a tout ce qu'il faut. Oh là là. Oh là là. Guillaume, pour toi ça, tu dis du sans pain ça? Alors je goûte sans pain. J'imagine que le sans pain. Et par contre prends un peu de... Oui. Prends un petit peu de pain. Merci PA. C'est délicieux. Soit ça, soit la campagne. Hop là. C'est incroyable ça. Oh là là, on va, on va goûter ça ensemble. Ah oui, là on parle business là. Ah ouais, là on parle business. Là là. Je te confirme qu'on parle business là. Là le beau fort comme ça là. Mmh. Mmh. Il est incroyable ce pain. Vive le fromage. Tu manges lequel là de pain? Ah ouais, ah ouais, ouais, trop bien. Le il est bon le rocamadour aussi, hein. Bon, vas-y. J'ai pas encore goûté. Très bon. Alors moi, ah, le Beaufort et le Masterclass. Comme vous le savez, oh, le Beaufort. Je crois que j'aime l'huile d'olive. Donc là, on sauce son sauce. Et on a Oriane qui se coupe. Ah, une petite allumette de Beaufort. Enfin, une allumette. Oui. Une bûche. C'est un cigare, ouais. Non, bah, je sais pas. J'essaye de faire ça bien. La première phase de la merde, j'aime pas le fromage. Vas-y. Je te conseille d'abord un tout petit peu sans pain. Et ensuite avec un petit bout de pain. Ouais, ouais. Et pour Lucas qui a pas goûté, je te conseille le, le camembert de Morgane. Camembert au Calvados. Avec une croûte de noisettes, pistache et noix. Tu pètes un plomb. Je te fais confiance, Oriane. On a une Oriane pas convaincue. Si, si. J'aime beaucoup, mais justement parce qu'il est pas très fort. Oh, ouais, moi, ce que je déteste, c'est les trucs qui sentent vraiment très fort et qui ont un goût, tu vois, de oui, chèvre. Ou de, alors là, Oriane, je me permets de te couper. On le sait, ce ne sont pas les fromages qui sentent le plus, qui sont parfois les plus forts. Ah, ouais. N'en déplaise au maroilles. Maroilles très très fort et en fait pas foufou. En gros, maroilles. Est-ce que je peux aborder un thème de Manon là? Vas-y. Oriane, t'es assis présent. Oh, tu vas faire clasher, clash, tu mets dans le titre un clash. Ah ouais. Tu as chez toi quelque chose que je trouve incroyable. Enfin, incroyable. Enfin... Son dégradé. Le charisme. Alors, déjà ça. Là, je parle de chez toi exactement, ton appartement. T'as un serpent chez toi. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que moi, c'est un truc qui me terrorise. Évidemment, les gens le savent ici. Alors, ça fait 15 ans que je l'ai. Et en gros, moi, je suis là à la campagne et j'attrapais tout le temps des vipères, etc. Et ma mère était morte de trouille. ma mère était morte de trouille et tout. Et du coup, avec mon père, ils m'ont acheté un serpent pour calmer mon délire de kiffer les serpents, etc. Et du coup, j'ai grandi avec mon serpent, j'ai appris à le manipuler. Pourquoi tu l'as pas dit que t'avais peur des piscines et des billets de 500 et des écrans plasma? Ah, c'est vrai. Non, pas d'argent, pas d'argent. Ah, c'est pas spécial. C'est que toi, t'as la phobie des serpents. Ah, mais ça, c'est dramatique. Et quand j'ai vu les dégradés. Quand j'ai vu ça dans ta story, j'ai dit ah oui, quand même, c'est bah, un délire. Il a 15 ans. Il s'appelle comment? Il n'y a pas trop de nom, je l'appelle Nagini ou le serpent. Nagini, mais c'est oui. Quoi Nagini? C'est dans Harry Potter. Oui. Ok. Nagini ou le serpent. Et attends, il s'est vu combien de temps un serpent en général? Bah, lui, normalement, il vit 12-13 ans.
Mais là, il a 15 ans, il est en pleine. Il fait traction, il est bien. Ouais, bah, il s'y met à la peinture, voilà. Ouais, mais il vit son adolescence comme il veut, au délire. Il est nerveux. Ça, c'est la Penzeller. Ça, c'est moi, c'est fromage suisse. C'est le mot fort, va sur la Penzeller. La Penzeller ! C'est alors, un peu l'accent, je suis malo-roumain. Ah, c'est très sympa aussi. T'aimes bien ? Bien sûr. Et ça, très bon. Ça, faut que tu goûtes ça. Tu sais comment ça s'appelle ça ? Non. Le pecorino. Oui, bien sûr, je connais en plus. Et je crois que, alors sans spoiler la vidéo, puisqu'on a fait effectivement sur Chef d'Erika une vidéo avec les experts en fromage. Notre préféré, c'est celui-ci. Sans spoiler, du coup. C'est que le Brie de Meaux, finalement. Bah il a pas fait son taf. Il a pas fait son taf, ouais. Il a pas fait son taf. Alors comment il a truffe, hein. Il a loupé sa compète. Il a raté son match. C'est tout. Il est arrivé avec des gros bras en disant j'ai ma truffe. J'ai moi, voilà, les galactiques. Sauf qu'à côté, il y avait 400 ans d'expérience. Ça a pas fait fort. Ça a pas, bah voilà. Peut-être que c'est la fin de la hype Brie à la truffe. Moi je le défends parce que je l'adore, mais. Ça évidemment ça arrive pas. Qui l'avait ramené celui-ci? C'était toi, Guillaume? Ouais, c'est moi. Exactement. Ça c'est quoi? Ça, c'est le camembert au calvados de Morgan VS. Ouais, incroyable. Camembert au calvados. Si Morgan VS, allo, Morgan VS, ça te parle. Cigare, bourdon, ça te parle. C'est des milliards de vues hein, sur YouTube. Talent brut. Non, non je pas tu confonds avec Despacito. Pardon. C'est pas des milliards de vues. Non, mais voilà, c'est surtout pas des milliards de vues. Oh, c'est très très bon, le gorgonzola, magnifique. Ah, le gorgonzola, j'avoue, je vais le retaper. Pour toi, comme t'aimes pas trop les fromages forts. Regarde le conseil d'orientation là, il va. Voilà, c'est doux. C'est pour bruit, hein. D'accord. Non, essaye le pecorino. Même s'il est fort. Il est long, hein. Mais je pense qu'il va être bon. Ça, par contre, j'ai hyper envie de le goûter. Donc, vous avez goûté le gorgonzola ou pas? Non, avec ce pain. Avec ce pain. Avec ce pain. Ah ouais. Arrête. Oh, ton gorgonzola, Ben, en vrai. Ouais, le gorgonzola, tu l'as goûté. Arrête, avec la tradition, quoi. Ça. Ah ouais, ok. Ça, avec ça, là. Pecorino, t'aimes le parmesan? Dieu. T'aimes le parmesan, Ren? Bah oui, moi j'adore ça. Bah ça va, tu vas aimer. En tout cas, on a tous fini nos verres de vin là. Oui, la quille roule, elle. Et il n'y a pas d'autres bouteilles de vin. Et on va avoir une première pour Lucas. On va faire un gros plan. Voilà. Il est en Roquefort, pain mendiant. Oulala là là. Oh, l'amateur de fromage est là. Ah, il y a vin. Il y a la star de vin. Il a entendu non, alors, vin. C'est la première fois qu'on le dit dans le vlog. On a dit 10 000 fois fromage. C'est mon non, ça c'est cendrier ça. Alright. Ah ouais, vous me mettez bien là. Oh là, Lucas, dis-moi, tu confirmes. Mais Lucas, tu cuisines. Là, normalement, il a la force du Roquefort. Il a l'adoucissement des petits. Ah, t'es sur le Roquefort là? Non, mais avec le pain comme ça là. Je suis pas très sûr là. Ah, si. Ah, ouais. C'est masterclass aussi. Ouais. Je dis souvent ce mot là, mais là, c'est incroyable. Il est bon, hein? Ah ouais. Pour un mec qui mange du fromage dans des choux et qui s'en rend pas compte. Pierre, on te propose pas. Mais j'aime parce que t'es pas un amateur. Donc, pas de fromage pour Pierre. Quoique, toi, t'es un amateur du fromage. Du fromage. Petit Louis, parce qu'il y a des questions derrière. Oh, ouais. Ça existe encore le petit, mais c'est tout mais le petit comme sûr ça. Mais bien sûr que ça existe encore. Putain, mais j'en sais rien moi. Dingue ça. Ça, avec un pain mendiant. Il parle de Kiri devant ça. Ouais, bien sûr. Je suis en train de me rendre compte que j'ai pris mes chaussures trop petites. Ça y est, ça y est. Ah, il y a des nouvelles chaussures de Pierre. Ça enchaîne, nouveau vlog. Ah mince. Il veut les cadeaux en vlog. T'as déjà bougé pas que vous. Bah ouais, non, mais. Malheureusement, je me rends compte que là, je vais avoir mal. Ah, c'est sympa. C'est-à-dire, comment tu considères qu'une chaussure est trop petite, c'est vraiment elle pousse au pied ou c'est plus que tu les aimes un peu larges? Non mais là ça fait, je sens que ça fait mal. Ah oui, ça va, tu vas au bout du bout. Tu peux pas les échanger. Et t'as pas l'habitude. C'est une vanne de planche de fromage aussi. Vas-y, dis-moi. Vincent, il boxe. 3. Oula, ah, tu veux un coup. Il veut nous raconter ce qu'il a fait ce matin. Il a fait un entraînement de boxe. Avec qui? Avec qui? Avec son chien, avec Polo. Ah, avec ça, monte la garde. Tac. Prends des coups. Prends des coups. C'est trop bien. C'était bien? Ouais. Pierre, il est une dégaine, on dirait un mec qui a Gare du Nord avec son hinche. Mais regarde-le, tu sais. Je parle pas trop. Dans la semaine prochaine, il y a une cassette avec des clous, Pierre. C'est sûr. Tu as continué à boxe ou c'est voilà? Non, là, c'est quoi, là c'était la séance gratuite. Non, il y a après, t'arrêtes, c'est du coup. Quel rat celui-là, mais j'y crois pas, t'es multimilliardaire. Tu touches des milliards. C'est quoi, deuxième semaine, t'es en retard? Troisième semaine? Non, là, t'es plus là. Semaine prochaine, je fais initiation à escalade, premier cours gratuit. Initiation au foot, premier cours gratuit la semaine d'après. Après, je vais à Limoges parce qu'il y a une coupe gratuite à Limoges dans le nouveau centre de coiffure. Donc oublie pas l'initiation peinture Frida Kahlo. Tu m'as dit, tu la connais pas ouais. que comme c'est gratuit. Oui, ça le rave. On a un Dylan. Dylan, cassez la gueule. Dylan, très amateur fromage, est-ce que tu veux venir goûter un fromage? Avec plaisir. Alors, qu'est-ce que tu veux? Sachant que tu viens de sortir un kebab. Tu viens de sortir un énorme kebab. Voilà, c'est un petit kebab, mais vite fait. Dylan, donc il y a la production ici que vous connaissez. Qu'est-ce que je te sers? On te conseille tous, je pense, le Roquefort.
Ouais, bah, ouais, un petit coup de roquefort là. Et wow. je vais même te proposer un pain mordien. Oh, le grain de poivre. C'est Saint-Nectaire à la base. Hein. Oui, bah prends-le. Ah, t'es Saint-Nectaire. Ah, on l'a pas mis celui-là. Regarde, on va te mettre un petit coup de roquefort. Je te le mets sur le pain mendiant. Et là, le petit billet pour le paradis. Tu dis ce que t'en penses. Allez, sa mère. Et là, c'est silence. Et là, et là, il vomit. C'est pas, pas ouf. En fait, encore un goût de frites dans la bouche. Ah, c'est comment, par rapport à la calzone, elle est comment il est comment le report en tournage, à un moment donné, on était en tournage. Pour le château d'eau. Ah oui, pour le château d'eau. Et on commande donc une pizzeria qui est dans le coin, c'est la seule. On est obligé de la manger dehors parce qu'on n'a pas le droit de la manger à l'intérieur de l'hôtel. Premier confinement. Des pizzas de 2,8 kg. Tu veux raconter un petit peu la boîte à chaussures qui t'en livrait. Je prends une calzone monstrueuse, une taille mais impossible de finir, alors que d'habitude les calzones, il n'y a aucun problème, mais là c'était incroyable, c'était immangeable. C'était immangeable. Immangeable. Deux kilos. Déjà Pierre, il avait 6 pizzas, il dit, c'est super lourd. Mais vous êtes allé à deux pour les porter toutes les pizzas, mais je crois. C'est Pizza YOLO qui a dit, genre, vous êtes tout seul pour les porter. T'es cher que tu il y a 6 pizzas en fait. Donc t'es une file un diable. C'est vraiment là, on n'y arrivera pas. Vous êtes tout seul pour les porter. On est sur autre chose. Ah ouais, non, franchement très très bon. Ça sent dans toute la maison d'ailleurs, parce que c'est beau. Mais ça sentait ça avant, c'est quand Morgane est arrivé. J'ai baillé. Ah ouais, ouais, okay. Il vient de se réveiller. C'est une horreur. Je suis désolé, faut que je. Ouais, c'est désolé, mec. Faut que tu goûtes ça aussi, c'est un petit camembert au calvados. Ça. Pas de fin de phrase. Voilà. Il est énorme. Non mais moi je suis un peu comme les films, il y a des fins ouvertes, moi j'ai des phrases ouvertes. Merci. J'ai des vannes ouvertes. Oh là là, ça va être bon, tu veux que je te le coupe? Moi je suis chaud pour un petit bout d'ailleurs, j'ai pas goûté non plus. Ah ouais, franchement goûte-le celui-ci, il est incroyable. Allez messieurs, je vous le coupe. C'est quoi le pull que tu as là? Parce que ouais, c'est compliqué. Je suis daltonien et ton pull me fait mal au crâne. On dirait pas du roquefort en vrai. Elle a un pull à pas de persillé. Merci beaucoup mec. Milka. Alors qu'en dites-vous? Pas mal. Il y a qui ton pantalon? Allez. Ouais. Ça c'est un fromage que nous a ramené Morgane Bess. Bah je préfère ça. Merci. Ah mec. Ouais. J'aime bien le côté fondant et tout, c'est j'adore ça. C'est un camembert classique qu'on fait tremper dans du calva et qu'on met une croûte avec des trucs qui croquent. Tu préfères ça tu veux dire? Bah, c'est tout ce qui est croûte qui me. Hein, tu préfères ça au repas? Oula. Ouais. Je préfère le repas, mais c'est vrai qu'il est très bon aussi. Comment ça? Concrètement comment ça? Alors j'adore ta chaîne YouTube, évidemment, c'est bravo pour le million d'abonnés et tout, évidemment. Tu aimais avec le cigare avec du bourdon? Ouais. C'est la troisième référence à cette vidéo en une heure. Grâce à cette vidéo depuis 20 ans. Il y a une autre review mais j'ai adoré, c'est la 47 heures sur. C'est les hot dogs. Non, c'est les nuggets, ouais, ça. Qui étaient vraiment bien. Ah, c'est bah, t'aimes les 47 heures en plus. Ouais, genre. Ils sont cool. Ils sont haga. Ah bon. C'est la race en arabe que j'ai inventé. Ça veut rien dire. Et ben très bien, messieurs. Le pain, c'est un bon plat, ça. Pain mendiant, pistache, raisin sec, abricot sec. Très bon. Alors, je suis moins fan du pain mendiant pour le coup. J'aime bien le classique, tu vois, qui atténue moins le goût. En fait, la tradition, comme t'as déjà un goût là-dessus, tu sais, j'aime bien le côté neutre là, qui avec le goût du fromage. J'entends le quoi, quoi. Merci bien, Morgan Vest, j'adore ta chaîne YouTube, j'adorais 47 heures d'heure le nugget. Tu as même tu as déjà dit. Les inconnus, ça parle, les trois frères. Dis Bourdon, si je lui envoie un SMS, il me répond. Ah ouais, les laisser entre eux, du coup. Et puis, un grand merci, messieurs. Ça m'a fait plaisir de, comme ça, vous faire manger un petit peu de fromage, découvrir quelques saveurs. Bon, on vous dit à très bientôt, du coup, sur la chaîne Vlogos, et puis allez sur la chaîne de on vous met une vidéo avec Didier Bourdon en description. On vous met Didier Bourdon en description, de toute façon. Voilà, merci à tous, à très très vite. Et puis, là, on va se refaire un petit fromage, du coup. Ah oui, allez, salut à tous.